Triste rencontre, qui celui qui se perd la nuit au bord des rivières rencontre ces femmes, vêtues de blanc, seules, chantonnant, fredonnant. La voix douce et cristalline, mais pourtant de dos tourné. Sombre présage à celui qui tente de les approcher ou d'attirer leur attention. Car devant vous se trouvent les lavandières de nuit. Qui sont-elles et que font-elles? Elles lavent du linge pour l'éternité, seules, dans leur désespoir et leur malédiction. Elles errent sans but au bord des rivières, chaque soir, chaque nuit. Oh, et ne vous fiez certainement pas à leur apparence. Elles ont l'air chétif, fragile, mais il n'en est rien, doté d'une très grande agilité et d'une force surnaturelle. Sombre présage pour celui qui croit ses lavandières de nuit. Elles finiront par remarquer ta présence et te demanderont de l'aide. Bien sûr, tu es en droit de refuser, mais le prix fort tu payeras, car jamais tu ne pourras leur échapper. Si elles te remarquent, elles s'approcheront de toi. Ton aide, elles demanderont. Bien sûr, tu es en droit de refuser. Mais si tu le fais, n'oublie pas que souples et agiles comme des ombres elles sont. Ne te fie pas à leur apparence, car malgré leur apparence chétive, elles sont dotées d'une force surnaturelle. Hideuses, effrayantes, elles te rattraperont et t'entraîneront au bord de la rivière. Là, le linceul qu'elles lavaient, tu deviendras à base de peau, de chair écorchée et noyée. Irrécupérable tu seras, et perdu pour l'éternité. Une mort atroce attend quiconque les défiant. Le linceul qu'elles lavent pour l'éternité. Enfant, bébé, abandonné, écorché, noyé, lavé de force. Voilà leur fardeau pour leur péché. Voilà leur punition. Lavé éternellement, leur victime, la chair de leur chair, le sang de leur sang. Et dans des larmes que nul ne peut entendre et comprendre, elles se lamenteront. Vous entendrez une douce mélodie. En réalité, juste une complainte ce sera. L'encou lui-même n'a voulu d'elle. Triste rencontre et le pauvre diable qui, au bord de la rivière la nuit, s'absente trop longtemps. Les lavandières entonnant leur symphonie nocturne. Condamnées pour leur crime. Si au détour d'un chemin tu croises ces femmes, ces dames blanches, ne les approche pas. Si de l'aide elles te demandent, sincère tu seras. Car si tu acceptes à contre-cœur, par pitié ou par dégoût, le bras te sera broyé, la nuque te sera brisée, ou pire, le cœur arraché, on te noiera de force ou t'étranglera. Dans tous les cas, tu ne pourras t'échapper. Si en revanche, à cœur ouvert tu acceptes, alors la paix tu leur apporteras. Il faudra surmonter ce dégoût, cette crainte. Si la curiosité t'envahit, ne l'écoute pas, car elle te conduira à ta perte. Si en revanche, tu les aides, bénévolement, sans rien attendre en retour, et que ce linge étrange tu laveras avec elle, alors tu les soulageras d'un lourd fardeau. Ces femmes, hideuses, redeviendront ce qu'elles furent jadis. De simples mères de famille, aimantes, courtoises. Le linge, linceul, laissera place à de somptueux draps. Et les enfants, retrouvés, retourneront au bras de leur mère. Ainsi, dans la pénombre de la lune, elles disparaîtront. À ce moment-là, elles te demanderont de partir, sans te retourner, ce que tu feras. Et là, dans le silence, tu te retourneras après avoir fait quelques mètres. Tu constateras que la rivière est vide de toute présence. Impossible. Comment ces femmes ont-elles pu disparaître? Ne cherche pas à le comprendre. Sache que si c'est le cas, tu as fait une très bonne action. Tu peux rentrer chez toi
et tu seras en paix, libre. Tu auras survécu de peu, au lavandière de nuit, chape de plomb embrumée, évincée dans la nuit. La paix reviendra. Bel adage que celui de la personne qui sauva les lavandières de nuit et put rentrer chez lui, sain et sauf.